Good morgen, allez, Iden, les tutres aujourd'hui, les Lounishmat, Ramim Ben Rosa, Chaya Bat Tova, Abraham Ben Yosef, ainsi que nos fautes, Vales Ben Ben Chaim Aliyah, Miram Bat Hasidam, Dov Ben Yudit, et Sarah Bat Betir, Rikta Betor, Shachol Israël, si vous souhaitez aussi des lieux de prochaine étude de Mishnah, contre la 5e minute éternelle, que nous étudions Masechet Bechorot, Perigbet, Mishnah, Hey, Rachel, Sheyalda, Kemin Ez, Ve Ez, Sheyalda, Kemin Rachel, Patour, Mina Bechora, Memiashbo, Mikzat, Simanim, Chayav. On traduit tout de suite, Rachel, c'est une brebis, chez Yalda, Kemin Ez, qui a mis bas, qui a couché, qui a mis bas, une chèvre. Ve Ez, chez Yalda, Kemin Rachel. Ou encore, inversement, c'est une chèvre qui a mis bas d'une petite brebis. C'est-à-dire, il y a une petite mutation qui s'est passée, ça peut être un croisement. C'est vraiment des moutons qui se sont accouplés et qui ont eu quelque chose qui ressemble à une chèvre, d'accord, qui est sortie, ou inversement, des chèvres ont eu un mouton, à inclure aussi, bien sûr, s'il y a eu la famille des vaches qui a eu un chamor, ou le chamor qui a eu une vache. Alors, dans tous ces cas de figure, patour mina bechora, on sera dispensé de donner le premier-né au Kohen. Si c'est un premier-né, on ne devra pas le donner au Kohen. C'est-à-dire, on explique, il y a quand même un chidouche qu'il faut bien mettre en évidence. La famille des moutons, les premiers-nés des moutons, il y a une gdoucha de Bechor, le premier-né, il a une sainteté, comme la matrice, il a une sainteté, il faut le donner, il faut en faire un corban. La famille des chèvres aussi. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a eu des chèvres qui ont mis bas un mouton, ou des moutons qui ont mis bas une chèvre. Alors vous allez me dire, ben, les parents, ils sont imposés, le petit, il est imposé, pourquoi est-ce qu'on ne... Le petit, c'est une espèce qui est imposable normalement. Alors pourquoi ne pas le rendre chayav? Eh bien, malgré tout, comme ça m'enseigne qu'on est dispensé de la proa, à cause de la mutation, il y a un pasouk qui insiste en fait, Ach Bechor Shor, le Barthénon rapporte. Ach Bechor Shor, le Tosfot Yom Tov rapporte qu'en réalité, ça a été dit même sur le Bechor Keves, Bechor Kesev, Bechor Ez, ça a été dit partout pour insister que tu n'es imposable de Bechor que si le petit ressemble à la mère. Et s'il ne ressemble pas à la mère, eh bien, tu es dispensé de la Bechora. Maintenant, le Mishnah continue en disant, Vemiashbo Miksat Simanim. Et s'il y a des petits signes distinctifs qui vont faire que tu vas voir que c'est pas un vrai mouton, disons, des chèvres qui ont eu un mouton, mais tu remarques que c'est pas un vrai mouton. Certes, il a de la laine qui le sortit, mais tu regardes qu'il a des cornes qui ressemblent à des cornes de chèvre. Donc tu regardes qu'il n'est pas encore... Ils ne sont pas précisés, ça n'a pas été précisé dans la Mishnah ici, quels sont les signes distinctifs exactement. Mais en tout cas, s'il y a des signes distinctifs que tu reconnais encore l'espèce de la mère, eh bien dans ce cas-là, il sera chayav de Bechora, mais avec attention. Certes, il aura une gdoucha de Bechor qu'il faudra le donner au Kohen, mais il ne pourra pas monter en tant que Korban au Misbeach parce que la mutation, elle est dispensée du Korban. Le Tosfot Yom Tov rapporte qu'il en va de même aussi pour, donc, comme ce qu'on a évoqué, pour une vache qui a eu un âne, même si les ânes ils sont imposables de Bechora, ou un âne qui a eu une vache. Chacun est imposable de Bechora, mais malgré tout, à cause du croisement, c'est-à-dire à cause de l'allure différente du petit, on sera dispensé de la Bechora. Et si toutefois il y a un peu de signes distinctifs, donc ils seront imposables de Bechor, comme précédemment, qu'il y a la visa de Bnei Kohen, mais il ne montera pas en tant que Korban. Et maintenant, le partenaire rapporte encore un safek de la Gemara, au cas où, cette fois-ci, on a des ânes, par exemple, qui ont eu un cheval, mais qu'on distingue encore quelques signes de l'âne. Ouais, il y a des différences selon la forme des oreilles, selon la queue du cheval elle est différente de la queue, et aussi la voix, la gamme elle précise, la voix du cheval elle est plus aiguë, et la voix de l'âne elle est plus grave. J'ai une voix grave moi aussi, désolé. Et en tout cas, il y a donc si toutefois il y a eu cette fois-ci donc un âne qui a eu un petit qui ressemble à un cheval, même s'il y a encore des signes distinctifs d'âne, malgré tout, il sera dispensé complètement de la Bechora, lui, cette fois-ci. Et c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.